Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2014 sur la création du plan comptable. Après avoir vu le tutoriel sur le paramétrage des propriétés du dossier, qui est vraiment la première étape lorsqu'on démarre sur Ciel Compta, la deuxième étape après, effectivement, ça va être de créer votre plan comptable. Donc nous allons voir dans ce tutoriel comment créer tous les comptes, d'abord de ce qu'on appelle des comptes de bilan de la classe 1 à 5. Donc vous allez voir vraiment des exemples concrets pour chaque classe avec toutes les options qu'il va falloir activer par classe, et ensuite nous terminerons par rapport à ce qu'on appelle les comptes d'exploitation, c'est-à-dire les comptes de charge, c'est-à-dire la classe 6 et la classe 7. Dans la classe 6, vous allez avoir des exemples de création de comptes par rapport à des comptes de charge que vous êtes sûr de rencontrer dans votre entreprise, comme tout ce qui est loyer, le téléphone, EDF, par exemple. Dans le menu liste, vous prenez l'option plan de compte et vous avez la possibilité de créer tous les comptes de la classe 1 à la classe 7. Nous allons voir toutes les particularités au niveau des options du plan comptable en fonction que l'on crée des comptes de la classe 1, 2, 3, 4 et des comptes de la classe 6 et 7. Donc, si on prend des comptes de la classe 1, alors vous verrez qu'en principe,